Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en fait, il est question pour moi un peu de vous mettre dans un nouveau contexte parce que c'est une nouvelle formule que je suis en train d'introduire dans la chaîne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Moi, c'est Warren et ici, vous êtes sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat et on parle de pourquoi pas d'immigration aux États-Unis. Et là, on s'apprête à lancer une nouvelle thématique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir. Alors, aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de clairement vous parler un peu du people, c'est-à-dire de ce qui se passe actuellement dans le contexte actuel, c'est-à-dire les relations. On va un peu parler de relations parce que je pense clairement que c'est important de parler de ça parce que beaucoup, malheureusement, gâchent leur relation simplement par rapport au fait qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas au départ. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, en fait, c'est l'exemple des jeunes américains qui m'intéressent beaucoup et que je suis son parcours de façon particulière. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu le contexte dans lequel il vit et clairement. C'est quelqu'un qui était en couple, c'est quelqu'un qui était en couple avec une jeune femme, mais malheureusement, la jeune femme lui a brisé le cœur, comme on dit. Alors, aujourd'hui, en fait, on va un peu parler de son histoire. Le temps pour moi, voilà, de mettre les choses dans leur contexte. On va un peu parler de son histoire parce que je trouve clairement que c'est quelqu'un qui mériterait beaucoup, beaucoup d'attention, en fait. Donc, voilà. Le truc, c'est que, comme je disais, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo autour de vous, vous laissez un like, vous laissez un commentaire. Et sur ce, on est parti. Alors, on va y aller. Le temps pour moi de vite me trouver dans mes documents rapidement, afin que. Voilà quoi. Alors. Je vais partager mon écran afin que vous voyez un peu celui à qui je veux faire allusion. Share screen. Alors, aujourd'hui, en fait, il est question de parler de ce tome. C'est en fait, c'est l'histoire de, c'est l'histoire de Michael B. Jordan et ça. C'était sa future femme. Voilà, c'était sa future femme, on va dire ça comme ça. Laurie Harvey. Alors, Laurie Harvey, c'est qui en fait en général? C'est qui cette dame? Alors, cette dame en général, c'est quelqu'un, c'est une dame qui devait être la future femme de Jason, de Michael B. White. Voilà, le truc c'est que remettons les choses dans leur contexte. Qui est cet homme? Je ne sais pas si vous reconnaissez la série, dans le film, je vais dire Black Panther. C'est-à-dire le monsieur là, il était dans Black Panther. Il était dans Black Panther. Il y avait, on va dire ça comment? Il y avait Chadwick Boseman et c'était lui en fait les deux protagonistes de Black Panther. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le truc, c'est que c'est quelqu'un de très sérieux, c'est-à-dire notamment, c'est quelqu'un qui essaye de mener sa vie de façon organisée. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui essaye d'organiser sa vie, c'est quelqu'un qui est riche. Alors, ce qui se passe, c'est que cette personne, en fait, ça faisait un an qu'il était en couple avec la fille de Steve Harvey, qui est Laurie Harvey. Et le truc, c'est que ce qu'il essayait de faire, c'est qu'il essayait de mener une relation vraiment très sérieuse avec elle, dans le sens là où il s'affichait vraiment avec elle dans ses réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui était vraiment impliqué dans cette relation avec elle. C'est-à-dire que maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'après leur un an de relation officielle, le jeune homme, c'est quelqu'un, voilà, il est avec toutes les relations qu'il a eues, c'était vraiment celle-là, à la base, qu'il voulait vraiment, vraiment fonder une relation avec, en fait, dans le sens là où il s'était vraiment ouvert émotionnellement avec elle. Donc, du coup, et elle-même, elle a reconnu lors d'une interview, c'est que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup ouvert émotionnellement avec elle. Et les choses étant dans leur contexte, pour bien officialiser les choses, après leur un an de relation,
qu'ils ont célébré il n'y a pas longtemps, ce qu'ils ont fait, c'est que le jeune homme a acheté une nouvelle maison et ce que le jeune homme a fait, c'est qu'il a demandé la jeune fille en mariage. Il faut reconnaître qu'elle a 25 ans. Mais clairement, la jeune dame a refusé, elle estimait qu'elle est trop jeune et qu'elle ne veut pas s'engager actuellement. Et ce qui s'est même passé, c'est que la jeune dame, pour montrer vraiment qu'elle est passée à autre chose, elle a supprimé de tous ses réseaux, du moins toutes les photos qu'elle avait avec lui, en fait. Et du coup, c'est une situation là où le jeune homme est en train de se remettre, mais ce n'est pas toujours évident pour lui parce que c'est quelqu'un qui s'était vraiment, vraiment donné corps et âme à cette dernière, en fait. Mais pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire? Pourquoi est-ce que il m'arrive de parler de tête de pourquoi est-ce que je prends le temps de te parler de cette histoire aujourd'hui? Parce que je réalise que la plupart du temps, nous les jeunes, la plupart du temps, du moins parlons d'abord au niveau des femmes, c'est-à-dire les femmes ne comprennent pas l'urgence, du moins certaines femmes, je ne vais pas dire, je vais pas généraliser, ne comprennent pas l'urgence de faire en sorte que quand on rencontre un homme et qu'on a l'occasion de se lancer avec lui et de créer quelque chose de sérieux avec lui, c'est le moment de le faire en fait. Parce que la femme, souvent, elle, faut reconnaître que la femme, elle a une horloge biologique. Et son horloge biologique part du principe que si pendant la période là où elle essaye de se mettre en couple avec certaines personnes et qu'elle trouve le bon, pourquoi remettre ça plus tard en fait? Pourquoi est-ce que certaines femmes, je ne comprends pas ce phénomène-là depuis un moment de notre génération, là où en fait, les femmes ont toujours tendance à rejeter les offres de mariage. Ça devient de plus en plus récurrent en fait. Et là, on va parler dans le contexte occidental, bien que ça peut aussi arriver chez nous en Afrique. Mais l'idée pour moi ici, c'est de te faire comprendre une chose, c'est que déjà, je parle en tant que femme, c'est que je parle pour les femmes, bien évidemment, pour bien m'expliquer. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir une chose, mesdames, c'est que quand vous avez l'occasion de vous focaliser sur quelqu'un, ne remettez pas ça à plus tard. Parce que souvent, ce qui se passe souvent, c'est que quand vous remettez ça à plus tard, le moment là où vous allez maintenant prendre du temps pour vouloir chercher un homme avec qui vous allez vouloir bâtir une relation, ce sera trop tard. Parce que les bonnes personnes qui voulaient de vous, qui voulaient faire du sérieux avec vous, seront déjà passées, en fait. Et quand ces personnes-là seront déjà passées, et c'est la même chose avec les hommes. Nous aussi, les hommes, parfois, ça nous arrive. C'est-à-dire que ce qu'on fait souvent la plupart du temps, c'est que on a trouvé une fille qui était intéressante pour nous, on a trouvé une femme qui était excellente pour nous, mais la plupart du temps, on se dit non, moi, je ne suis pas encore, je ne vais pas me presser pour le moment, comme si c'était une question de précipitation. Non, ce n'est pas une question de précipitation. C'est-à-dire, si tu as l'occasion de rencontrer une personne qui écoute ce que tu dis, une personne avec qui tu es compatible avec, pourquoi est-ce que tu vas perdre du temps, en fait? Et la plupart du temps, on voit ça beaucoup dans notre génération actuellement, là où beaucoup de personnes remettent leur bonheur à plus tard parce que ce qu'ils veulent d'abord faire, c'est jouer, multiplier les conquêtes, etc., etc., etc. Mais alors que le but ici, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, peu importe ton âge, tu n'as pas besoin d'être forcément vieux pour vouloir faire les choses à temps, non. C'est même pendant que tu es jeune que tu dois prendre les bonnes décisions. Et clairement, malheureusement, je réalise que Steve Harvey, avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de conseils sur les relations, mais je pense clairement qu'il devrait clairement parler à sa fille que, voilà, c'est-à-dire que en tant que quelqu'un qui se veut crédible, il faut aussi que ça commence d'abord dans ta propre maison, en fait. Et c'est un contexte que je trouve totalement inadéquate dans le sens là où voilà quelqu'un qui a voilà un homme qui voulait faire le sérieux avec sa fille et que malheureusement elle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée parce que elle tout ce qu'elle veut c'est continuer à avoir le fun en fait. Et malheureusement dans quelques années la plupart du temps parce que c'est souvent comme ça que ça se passe dans quelques années ce sont les mêmes dames là qui vont revenir qui vont dire que voilà je n'arrive pas à trouver un mec sérieux etc. comme fait maintenant aujourd'hui Vivica A. Fox. Que peut-être que je vais revenir pour parler de ça avec. Je vais faire une vidéo sur elle. Donc, le but, c'est que prenez le temps, vraiment prenez le temps d'apprendre à discerner les personnes qui sont bonnes pour vous. Ne vous dites pas que parce que vous êtes jeune, parce que vous pensez que vous avez encore la vie devant vous et que vous voulez d'abord vous amuser. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est plutôt tu conçois ta vie avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs et les mêmes principes que toi.
mieux ça est en fait, et peu importe ton âge. Donc, dis-moi ce que tu en penses de cette capsule. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Dis-moi ce que tu en penses de cette capsule, comme je disais, c'est-à-dire, et surtout, qu'est-ce que tu penses de Laura, de Lori Harvey, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est normal de faire, c'est-à-dire, j'étais un homme qui était prêt à s'engager avec toi, ou est-ce que tu penses le contraire? Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et surtout, dis-moi ce que tu penses de cette capsule. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux que je prenne le temps souvent de le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Si ça t'intéresse, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir prendre les histoires des stars et je vais parler un peu de leur vie personnelle tout en donnant des moralités derrière. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'attends ton feedback en commentaire. Abonne-toi et sur ce, on se dit à la prochaine.